makambo ebandaki ntango Koffi Olomide akotaki ntango bayambaki ye. Regardez l'émission, vous allez vous rendre compte que monsieur le journaliste Jonathan Bilari, ntango ayambaki Koffi Olomide avec le sourire bienveillamment, comme je l'ai dit, avec toute la sympathie, alobaki na Koffi Olomide bonsoir. Parce que l'émission se tournait le soir, apparemment. Et Koffi Olomide a répondu à Guillet, bonjour. Bonsoir Koffi Olomide. Bonjour. On va le faire en distanciation sociale. Voilà, ça s'enregistre le soir et c'est normal qu'on se dise bonsoir. Ça peut se dire bonjour avant. Je vous prie de prendre place. Alors, contradiction déjà avec Otagiwana. Vous allez voir Namaloba, Koffi Olomide, il semblait ignorer signification et mot opus. Il a raison, Jonathan, là. Koffi ne connaissait pas le mot opus. Et ce jour-là, il avait appris le mot opus par moi. Sérieux? Et je le dis et je le répète, pour ceux qui doutent, je vais partager cette vidéo. Dans l'opus, je ne sais plus si on doit dire album ou single, de cité, de ou, cette ou épée. Non, je préfère le mot opus. Voilà. Carrément. Voilà, oui, c'est de lui, hein, c'est de notre Jonathan. Frère, là, Jonathan. Mais jusque-là, j'appelais ça projet. Projet. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais appeler ça opus. Ça aurait été taratata en Europe, il n'aurait jamais dû faire ça. Ça aurait été en Côte d'Ivoire ou tout ce que vous voulez. Il ne serait jamais comporté comme ça. Et ça, ça frise de la malhonnêteté. Surtout quand on est payé pour exécuter X, Y tâches. Non, Koffi Olomide Azarama, il parle français, oui, d'accord, oui, nous savons. Et vous croyez que Jonathan Bilar, il est bête? Vieux quadra. Une émission pour laquelle on te paye. Oyez. Le problème était où quand on te pose la question de savoir action ou vérité? Oh, le baka vérité. Tout simplement. Nathalie, ba émission, ango, batounio, surtout, ba ouera, tout, tout, ba ya, levi, ce qui ba jibé, ba posa, ba ango, les mêmes questions. Action ou vérité? Tu choisis action ou vérité, c'est simple. Mais comme Koffi Olomide, Azara, Koffi Olomide, quand il s'est rayé, moutoua, sougisa, moukili, il dit les deux. Les deux carrément pour n'avoir embarrassé les journalistes, pour n'avoir minimisé les journalistes. Et c'est la dernière fois que je réponds à cette question-là, celle-ci-là. Celle-là, c'est la dernière fois. On est en direct. Hein? Applaudissez pour l'animateur. Mais na koma ko rejoindre Batou Moussousou au Balobaka, j'aime plus l'artiste que Moutou. C'est le seul au Balobaka Bongo. C'est le seul. Combien de journalistes au Akiti ça t'es vieux quadre. Je vous rappelle encore Nenge Asala Marius Munga. On ne tient le nom que n'a pas tout pour nani. Pour nous visité. Nous avons vendu nos lattes cravates. Nous avons fait un karaté en 2005. Pendant nos visites, nous avons fait un peu de temps. Anguille sous roche. Pour le bagan, anguille sous roche. Comme tu veux. Anguille sous roche. Non, bon, c'est possible. Okay, c'est possible qu'il y ait anguille sous roche. Mais ce n'est pas parce qu'il est Koffi Olomide qu'il a le droit. Il y a qu'à minimiser. Il y a qu'à respecter Moussala. Bah, tout est. Je suis désolé. Je suis désolé. Seul artiste, il fait ça embargo. Dans ma journaliste, na kin, c'est Koffi Olomide. Dans ma kama marque tabou. Et on ne blague pas avec la presse. Hein. Vous voyez que la presse est dans le 4e pouvoir. Presse, ouais, solo. Hein. Est dans le 4e pouvoir. Et Koffi Olomide, là où il est, il le sait. Koffi Olomide face à un journaliste, il n'est rien. Dans son raisonnement, il dit que Bissoba Congolais, Tozarama, il était. Thomas, l'ambition est à René, il y a un défi. Vraiment, je suis d'accord avec lui. Attends, je suis d'accord avec lui, puisque je suis congolais. Congolais, à cause de la. Maël et Natongo, n'a pas quoi combiner Zoba. Par quel mécanisme tu as évité? Banal est là. Nous avons dit que base a fallu pour pas. Tout le monde a eu empire du mal. Banal est là. Il a fait une base et commis empire de l'ignorance. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Koffi Olomide vous abrutit. Koffi Olomide Aza Alpha Omegaté, c'est un grand artiste. Vas-y comprendre quelque chose. Cette animosité et ces comportements maniérés, on va continuer toujours à combattre cela.
et des pestes de la sorte dans la musique congolaise, on ne l'aimera pas du tout. Chers téléspectateurs, chers abonnés de Chicha Guissam, amoureux de la bonne musique, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est votre présentateur Chagissam. Alors bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez rejoindre cette vidéo. Nous émettons depuis la France, plus précisément à Paris, pour ceux qui ne le savent pas. Donc pour ceux qui rejoignent cette vidéo pour la première fois et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lors des prochaines publications. Nous sommes bilingues, on parle et en français et en lingala pour le bien de la communauté lingalophone et francophone. Mais c'est vrai que cette émission est plus destinée à la communauté lingalophone parce que nous sommes des Congolais, voilà. Mais nous faisons en sorte que les autres communautés qui nous suivent aussi puissent comprendre. Donc nous allons être bilingues. Alors, je ne fais pas les émissions pardon, au quotidien parce que je suis en train de faire on a accompli ça. Donc, des fois, j'ai du mal à faire les deux choses en même temps. Mais à Wassonaïe, c'est parce qu'on a du temps. Et puis, j'ai respecté abonné ou comme il y a pour. Le bananga que non, mais Ndeko Chagui, est-ce que tu peux pas faire une analyse sur Makambo Kofi Olomide Oyo Ezo ko opposé na journaliste Jonathan Bilari, voilà. Comme vous le savez, Makambo Kofi Olomide, moi je n'aime plus trop en parler. Eu égard à Makambo Oyo et les canaux ma chaîne Oyo, on m'a menacé, voilà, on a même voulu bloquer ma chaîne, la moto à Salara Makamune à Internet, pour ne pas le citer. Donc du coup, voilà. Comme la réaction de certains journalistes, bien évidemment. En l'occurrence, Jonathan Bilari, qui ne veut plus recevoir l'artiste eu égard à son comportement. Mais je me suis dit, bon ok, je vais quand même faire l'analyse concernant cela. Hein, émission à Jonathan Bilari, n'a Kofi Olomide, Natala qui est en côté. Je m'arrêtais juste na biloko tout monde na Facebook parti wana mais j'avais pas regardé l'émission en intégralité. Donc quand les abonnés m'ont dit de faire l'émission Nathalie émission wana et na zongi li sous na émission au basala kala Kofi Olomide face à la presse, parce que nombreux sont ceux qui se disent que Kofi Olomide s'est retrouvé face à Jonathan Bilari pour la première fois. Non, ici à Yambaye déjà na collectif moko y a ba journaliste je crois émission Isaac Kofi face à la presse. Vous pouvez aller regarder, c'est sur YouTube. Et lors de cette émission, tout le monde peut se confondre que problématique, il y a mon opus, et ça, il y a une émission où il y a un univers acoustique. Non. On a lundi, analyse, il y a des gens qui sont en train de se dire que problématique, il y a mon opus, et ça, quand il y a une émission, on a non, non, non. Tout est hors caméra. Non, c'est pas dans cette émission, c'est dans l'émission où il y a un collectif, il y a un journaliste. Voilà. Donc, Narolobila Makamwana, je vais apporter mon point de vue. Oyo Eza, point de vue Moko, voilà, il y a universalité. On n'a pas le monopole de la vérité, vous l'aurez compris. Mais on fait en sorte que To PSAP, moi, avis Nabiso Nenge, Negomusus Basalaka. Voilà. Je n'ai pas la science infuse, mais Naza quand même moi. Moi, Boigna, Ningwa Lobaka. Donc, sans pour autant tarder, le générique. De retour sur le plateau, chers amis. Donc, je vous ai promis que Nago Kotana Kachamozino Makamango. Mais avant to kota naba analyse il y a émission il y a Jonathan Bilari na Kofi Olomide ou il y a univers musique na lingi to ça moi je me rebouille. Est-ce que vous pouvez citer les ba qualité hein ou une qualité si y en a qu'une ou il y a Kofi Olomide ou to ko décerner na ba défonner. Il y a des commentaires.
Ngaï, Shaggy, la seule qualité, je dis bien la seule, pas les seules, la seule qualité indiscutable, indiscutable, où il y a eu qu'on décerne la Koffi Olomide, c'est grand artiste musicien. Point barre. Grand artiste et musicien. Hein, il y a République démocratique du Congo, grand artiste africain, mais en tout cas, musicalement, il est bon. C'est la seule qualité où il y a décerné et pas à Koffi Olomide. Voilà. Et Nasuki Wana. Wana Eza Avinanga. Alors, Bino Sogi Bozana ba qualité Moussous où il y a pèse à Koffi Olomide, na Kolingana Tangangon na ba commentaire. Mais moi, je m'arrête là, grand artiste musicien. Pour na ba côté Moussous où il y a pèse, Boromona, soto sali ba analyse Moussous où il y a retiré ba qualité Wana. Voilà. Alors, pour en venir sur cette émission-là, où il y a Jonathan Bilar qui a Koffi Olomide, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la première fois que Koffi Olomide puisse avoir ce genre de comportement, ce genre d'attitude envers les journalistes. Surtout, où il y a Kinshasa. Surtout, où il y a Mboganaï. Alors, pourquoi Koffi Olomide se comporte comme ça? Kakadabandegouné à Brazzaville. Pardon, il y a pas Congolais. Il y a Kinshasa. Même à Brazzaville, c'est pareil. Mais il y a Maraï plus... Nabandeko à Kinshasa, parce qu'à Brazzaville, voilà, les journalistes sont à compter. Voilà. Pourquoi Koffi Olomide a Zalakaka, n'a pas comportement, il y a Kokiti Sabatou, il y a aussi la caprice naïe, il y a quoi invective à journaliste. Pourquoi Zalakaka n'a Mboka sur le territoire congolais? Mais soit Abimi, Libanda, n'a pas Côte d'Ivoire, Naba Kenya, Naba France, Awa Tozali. Le gars, il est doux, vraiment comme un agneau. Vraiment, Azalaka, na estime ton respect, Naba journaliste, au bazar en face. Chers amis, tant que Bayaga, na émission ya Moutou. Moutouango a yambi bien, bienveillamment, avec le sourire. Comme c'est le cas avec M. Jonathan Bilari, un très bon journaliste, éloquent, Azamaye, et ça se voit. Tant que Bayar a une émission, il faut déjà qu'on respecte Mouturo et Azo Yambayo. Parce que Mouturo et Azo Yambayo peut Azo respecter. Ça se voyait que le gars respectait Koffi Olomide. Mais déjà, chers amis, les gens se disent que Makambo et Bandi, quand on va poser question, il y a action ou vérité. Mais non, moi je reviens au début même de l'émission. Makambo et Bandi qui en a été, Makambo et Bandi qui t'a Koffi Olomide, à Kotaki, tant Bayamba qui est. Regardez l'émission, vous allez vous rendre compte que monsieur le journaliste Jonathan Bilari, tant Bayamba et Koffi Olomide, avec le sourire, bienveillamment, comme je l'ai dit, avec toute la sympathie, alors, qui n'a confié le midi, bonsoir. Parce que l'émission se tournait le soir, apparemment. Et Koffi Olomide a répondu à Guillé, bonjour. Bonsoir, Koffi Olomide. Bonjour. On va le faire en distanciation sociale. Voilà, ça s'enregistre le soir. Et c'est normal qu'on se dise bonsoir. Ça peut se dire bonjour avant. Je vous prie de prendre place. Alors, contradiction déjà avec Otagiwana. Regardez bien l'émission, vous allez vous rendre compte que dès le départ, donc dès qu'on a entré à Koffi Olomide, Makambo est déjà Banaki. Il y avait déjà une certaine contradiction entre l'artiste et le journaliste. Alors, vu que Koffi Olomide avait dit bonjour, et quand Jonathan Bilar et le journaliste a repris la parole, a s'est justifié pourquoi le Baki bonsoir. Donc, Ezalakinechi, Alinga quitté Koffi Olomide Assim, c'est touche. Parce que Koffi Olomide Assim, c'est un journaliste touche. Ça, c'est connu. C'est connu. Nazo a voté Makamote. C'est connu de tous. C'est un secret de Polichinelle Balobaga. Donc, Jonathan Bilar, il s'est justifié. Pourquoi Alobaki? Bonsoir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est parce que l'émission se tournait le soir. Voilà. Bistozaï Kounate, mais Jonathan Bilar, il a dit. Et après, émission Ike. Cette émission, comme le journaliste l'a dit, Bafoutaki. Et de surcroît. Mais c'est toi qui m'a commandé. Bafouta qui est Koffi Olomide Aya. N'habitez ceux qui bafouta à Rabatounir, c'est tout. Mais nous savons que Koffi Olomide, bafouta qui est. Et Koffi Olomide, ce n'est pas la première
personne où a l'équina émission ana. Le premier artiste où a l'équina émission ana, c'est pas Koffi Olomide. Natala a souvent émission ana te. Natala a angoga na ba, hein, na bilogo ezaka na ba Facebook, hein, ba parti où y a ba polémique ou ala tout tout. Na souka ga wana. Mais c'est rare, quand tu as vraiment une émission, on a un talango Mobimba. Et je pense que Bajib et Balegawana, Bawerason, Bafali, Balegawana, Bangon, c'est tout, ça là, exercice. Et chaque émission, ils ont une rubrique. Chaque émission, ils ont une rubrique. Donc, ils ont invité, en plus, Brefaki Koffi Olomide, par le réalisateur, ce qui est Arnaud Mambo, ce qui est Arnaud Mambo. Bah briefa qui est. Donc Aéba qui, comme le journaliste l'a dit, il s'est bien justifié. Aéba qui que non, en fait, émission, ils arabouillent. Et Eric Mandala, à Zaramuto, Zara bien. Alors, tu viens pour Eric Mandala. Donc, c'est que vous respectez, émission on a. Parce que c'est lui qui l'a convié, c'est pas le journaliste. Et journaliste on a fait, Oye billet pour, bossi vos salles émission on a. Et d'après le journaliste Oyebaki, mot ya opus grâce naïe. Il n'a pas raconté des conneries. Allez regarder cette émission Oyebasala Koffi face à la presse. Où il y a eu 4 journalistes, Fonfon Père Zalayouana. Vous allez voir Namaloba Koffi Olomide, il semblait ignorer signification ya mot opus. Il a raison, Jonathan là. Il semblait ignorer Makambo Oyo Azago Loba concernant EP, single, opus. Donc il ne savait pas quoi dire. Il disait que non, bon, banal et longana Loba. Opus po, opus isa mooyo yé alobaki. Jonathan. Dans l'opus, je ne sais plus si on doit dire album ou single, de ou cette titre. Ou épée. Non, je préfère le mot opus. Voilà. Carrément. Voilà, oui. C'est de lui, hein, c'est de notre Jonathan. Frère, Jonathan. Jusque-là, j'appelais ça projet. Projet. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais appeler ça opus. Alors. Vous voyez, émission là, ça date de depuis 2018. Émission là, Natalango déjà. Mais pour les besoins d'analyse, vu que Makamongo est l'élo, je me suis dit non. Émission là, Natalango les sous pour comprendre. J'ai regardé cette émission du début à la fin, avant de venir parler. Nombreux sont ceux qui se disent que émission là, émission où il y a univers acoustique, c'est là où il y a la problématique du mot opus. Non, c'est bien avant, 2018. Donc certains analystes au Bayard sur YouTube là, informez-vous bien avant de venir parler. C'est pas l'émission où il y a univers acoustique. Et ça émission où il y a ça là depuis 2018. Donc 4 ans les lots. Donc ceux qui m'ont moni, ceux qui botali Maloba Koffi Olomide, beaucoup on a que non en fait, ils semblaient ignorer le mot opus. Aibaki signification d'angoté. Et vous qui venez défendre Koffi Olomide, que non, Koffi Olomide Azarama, il parle français, oui, d'accord, oui, nous savons. Et vous croyez que Jonathan Bilard, il est bête? Vous croyez que Nani, journaliste, ouais, Amaki Azab Moutazoba, on a Elobil Naye, on a déontologie Naye, il y a journalistique. Bozo, mon athée, que non, Moutou Azab Moutoumogo réfléchit. Bon, on n'a rien à Bozoba, il y a certains journalistes, certains chronifouach, non? C'est pas quelqu'un qui est connu pour justement Nenge Wazé Walobaka Solomabe et Bana Mokil Mobima. Kasi Bani Marayango Karate. Koye Bana Ezali Goni Mamate. Ça c'est Wazé quoi qu'il a dit. Et Fonfon, Jonathan, c'est parmi les meilleurs journalistes RDC, moi je le dis aujourd'hui là. Il est temps qu'on a tout à l'aïe. Et ça n'est pas tout à la rabatou à Côte d'Ivoire. Le milieu congolais, c'est pas un milieu propice pour lui. Pour milieu congolais, un milieu moko et tonan mosoto. Donc les gens comme les Jonathan, bah c'est pas des gens oyotorigo tchana ba chronique musicale avec RDC. Pour Bozo ba il est kitro. C'est un journaliste très intelligent, très professionnel. Bota la émission wana. Le gars, il a gardé son calme. Ake na émission Chinasuka. Malgré bah geste au Koffi Olomide Azago Salaï. Et puis vieux quadra. Une émission pour laquelle on te paye. Oye.
Le problème était où quand on te pose la question de savoir action ou vérité, oh le baka vérité. Tout simplement. Nathalie, ba émission ango, ba tonyo surtout ba ouer à tout ba ya Lévi, c'est ce qui va JB. Ba posant bango les mêmes questions, action ou vérité. Tu choisis action ou vérité, c'est simple. Mais comme Kofi Olomide azara Kofi Olomide quand il s'arrête mutwa sugisa mukili, il dit les deux. Les deux carrément pour n'avoir embarrassé journaliste, pour n'avoir minimisé journaliste. Est-ce que vous trouvez ça normal? Nana yamio avant de bander dans le bina non anga na sala émission boye. Donc pour la bonne tenue il y a émission nalingi to évoluer boye. Ah d'accord, OK. Oyepe donc c'est bon, c'est que oyeba ki makamango. Mais pendant l'émission, on te dit action ou vérité, tu dis les deux. Vous portez votre chaussure, l'action ou la vérité? Les deux. Non, pas les deux, Kofi. La tradition, nous le rugby du jeu est tellement simple. Ce sont les questions qui vont en découler, qui vous gênent? Ou soit c'est Kofi Olomide qui assume et qui veut attendre? Moi, je ne connais pas les questions. Ok, mais laissez-nous. Comment je vais te gérer? Laissez-nous poser nos questions, Kofi Olomide. Je t'empêche pas de poser tes questions. J'ai dit, écoute, voilà, je t'empêche pas, vas-y. Action ou vérité, Kofi Olomide? Vérité. Et c'est la dernière fois que je réponds à cette question-là, celle-ci-là. Celle-là, c'est la dernière fois. On est en direct. Hein. Applaudissez pour l'animateur. Voilà. Donc, entre Kofi Olomide et Jonathan Bilare, Nanyaza Zoba, qui est plus intelligent que l'autre? Bon, répondre à ma commentaire. Pourquoi vous voulez toujours que là, disa batou moussousou, casquette MAB, alors que ce sont ces personnes-là qui ont raison? Moi, j'ai suivi pas mal les émissions de Kofi Olomide en Côte d'Ivoire. Bah, émission, on a, et ça, on a ma rubrique. L'émission de Life TV, où il y avait Koni Touré, où il y avait, je sais pas, bazara, quatre femmes, oui. Émission, on a ma rubrique est belée. Mais Kofi Olomide s'est soumis à ces rubriques-là, dans le confessionnal, le tout, il a fait tout sans problème. C'est midi, il a exécuté. Même au Congo, je ne sais pas si c'est Biwan, Cheno, Eric Mandala, dans mon émission, Kofi a sala omelette. A sala ango. Parce que c'est une rubrique de cette émission-là. Donc, yo, artiste, goye, tu dois te soumettre à cette rubrique-là. Sinon, rien noté. Qui ne pas au Ezara na Esika Wanate. Et j'ai suivi une chronique fois là, hein, vraiment avec tout le respect. Au Ezara na Congo Brazzaville, une fan de Kofi Olomide. Elle a analysé sur ces choses-là. Azo traité Jonathan Bilare de comédien. Ah, maman! Toi, tu peux tenir un discours devant Jonathan. Écoute, même émission, d'ailleurs, j'ai même pas pu suivre ça du début à la fin. Pour Makamozo, en fait, ton discours est erroné, tu n'es pas cohérente, donc naïbité. Kara Kidjalelo. Kidjalelo est Zamabe. Kidjalelo est Zamabe, franchement. Toi, tu peux faire le poids à Jonathan. Juste Kara pour nous défendre Kofi Olomide. Donc, ma camionne, surtout Kofi Olomide, à Salaga, à Taïza, et Zama, baby nobo, bosse pila raga. Banal et l'eau. Nengo benaga, base ya fali poupa. To bafan naye, empire du mal. Banal et l'eau, bafan a Kofi to base naye, et commis empire de l'ignorance. Nam na badize en. Bafan a Kofi Olomide to base naye, et ça empire de l'ignorance. Parce que vous êtes dans l'ignorance. Kofi Olomide vous abrutit. Kofi Olomide Aza Alpha Omega T, c'est un grand artiste. Moi, sur la musique du monde, à 100%, je peux dire à 95%, na yoraka ma musique à Kofi Olomide. Tout le monde le sait. Bato ba yebi nga ba yebi. Na yoraka ma musique à Kofi Olomide en majorité. So kochi ga na kar na ngamba la mogo bo pa. Makamuno surtout Kofi Olomide Asala Naebi Yango. Sa biographie, je la connais. Sa discographie, je la connais. Mutu Mogwa Royaro Lomananga Makamoko Olomide Azate.
Mais nakoma ko rejoindre Bato Mususu o balobaka, j'aime plus l'artiste que Mutu. C'est le seul o balobaka bongo. C'est le seul. Combien de journalistes ou akiti ça t'est vieux quadre. Je vous rappelle encore Nenge Asala Marius Munga. Au moni netio, banda mokile soki banda chilelo koma na nipotote. On a ce bakrava tout. Au moni netio chilelo no ke na potote ponani. Pona nous a visaté. Nous yo vandi wana lati cravate na no ke na poto karate chilelo bona 2005. Pona nous a visaté pina moi do ki banin bani. Aussi que petit soleil a eu mon visa, je suis allé. Moi, mon tif, moi, famille, je suis allé. Si je suis allé, je suis allé. Je suis allé. Non, il y a tout le monde qui est allé. Il y a la radio, la TV, la radio, la radio, le 3 septembre. La zone, le 3 septembre. Mais c'est sans précédent. Ça dit que nous avons tout le pour le bas, Kofi a changé. Kofi a changé. Nous avons tout le monde. Nous avons tout le monde. Nous avons tout le monde. Au on lobby la TV que nous avons fait parce que Bino sait que nous avons fait un lobby bien bien. Bino, nous avons fait un lobby qui est un peu de poteau et qui est un danger. Nous avons fait un lobby qui est parce que nous avons fait un lobby qui est un lobby. Nous avons fait un lobby qui est un lobby. Nous avons fait un lobby Baluka. N'est-ce pas là, il y a quelque chose qui est anguille sous roche. Le bagangou était anguille sous roche. Comme tu veux. Anguille sous roche. Non. Anguille sous roche. Il faut... Ah voilà. Anguille sous roche. Anguille, anguille. Anguille sous roche. Merci. Bon, ça arrive, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Oh, oui. Ça peut arriver à tout le monde. Aussi. Nul n'est parfait, mais tout homme est perfectible. Comme. Il y a quelque chose qui m'est venu là. Nous avons souvent. Oui, le bang. La... Le belogan. La... Tout ça en direct, hein. En direct, tu dis ça à un journaliste, en direct. Non, à un moment donné, bon, t'as là Lilo Marius, n'est-ce pas? Seul journaliste au Yamba, président de la République. Vous voyez? Par exemple, les ébélés. Pas satisfaisant. Le bilan de qui? Dans mon entendement. Oh, parce que tu ne vas pas m'avoir comme ça. Je ne suis pas ton petit. Ok? Tu veux pas... Laisse-moi, c'est moi qui... Laisse-moi te répondre. Oui? Tu n'es pas plus malin que moi, Jean-Marie. Et tu le sais. Moi, je vous vois cocher. Tu n'es pas plus intelligent que moi, Jean-Marie. Qui donne le bilan? Laisse-moi répondre. Oui. Les gens nous suivent et ils apprécieront. Par exemple, les ébélés, Banati le collé, Papi Moma. Bato Baye Baraté. Pourquoi Papi Moma a quitté Chabani Record, hein, Congo Web TV. Mais c'est à cause de Kofi Olomide. Boye Barango. Olomide, Chabani Record. On a bené dans l'Ibanga Yakosenga. On a bené dans l'Ibanga Yakosenga. Respectez Moutou Oyo Asala qui Moutamba Aye Bayo. Respectez Moutou Oyo Ayambiyo na plateau. Nazako respecte yo pena yebisi yo que. Respectabilité na yo et ça qu'on le cana respect na yo à ça la que ambassadeur mutamata la gani bashen na bisote aye ba yo respecter ma message aux autres xanga tu veux continuer tu as une émission na yo donc faut que l'anaga ba loi on non mais bon c'était pour rire bon toujours bon image au président Gabi Chabani en fait je c'était juste c'est ça non François président Chabani record oui ouais je vis son message j'attendais l'air un peu message ouais j'ai dit merci moi les lobas. Non, ouais. On a vient nanga. Peut-être yo bosana. C'est-à-dire ah bon, tu odeur de vieille mission. OK, B1 Music. Respect na patron Mutamba. Bon, t'as la salaire ou taka wa. Ah, on comprend hein? Na bêta salaire ngo. Bêta. Atéaté, voilà va salaire ngo. Comprends moi différence. Ça, c'est des plaisir là, voilà, plaisir et monsieur Zarazo bana zoba. Ba sala buzoba moko maele na maele, ba sala maele moko. T'as la muto longo li ça. Journaliste dans une certaine chaîne. Pour chaîne Wana et Zaga, il y a Mastanae. C'est Papi Moma qui présente l'émission. Zagin HD Lingi. C'est Papi Moma qui présente l'émission, mais yo, dans ma caprice, na yo, tu dis que, nana Lingi, tant on a relégué dans l'émission, on a na Lingi, t'es Ezala Papi Moma. Oh! Vraiment. Atabino Mogo, vraiment. Nengi Mogo, vraiment quoi. Atabino Mogo. Donc, vu que l'ami
pour la satisfaire Mouninga na Ebe. Eh bien, à Sali, ils ont la nanité, ils ont la papi mamate, ils ont la Willy Kaimbe. Manque de respect. Manque d'estime. Banachi le collé, bah ça pas problème boni na kofi le milé. Na routine abino ba élément pour na zongi sabino ba na bilouana. Voilà, c'est donc Kofi Olomide qui a 56 ans. Plus de 20 ans que toutes les personnes qui font partie de cette équipe, allez-y comprendre quelque chose. Cette animosité et ces comportements maniérés, on va continuer toujours à combattre cela. Et des pestes de la sorte dans la musique congolaise, on ne l'aimera pas du tout. On voulait seulement recoller les choses. Vous l'avez vu avec Foulard Amutuna Ewana, mais Ayaka Awa déjà. Donc on tourne la page, qu'on se respecte. On vous respecte, on ne vous craint pas. Il faut faire la nuance. On ne vous craint pas. Moi, je crains une seule personne, c'est Dieu. Malassima, on va parler comme des malades. Parce qu'on reçoit les artistes. Ça fait 10 ans que je suis dans ce métier, je sais comment est-ce que les artistes parlent. S'il faut que je parle à la manière des artistes, je crois que, et comme Tito Banoro s'est flingué comme aux États-Unis. À bon attendeur. Quelqu'un comme Kofi Olomide, pour Nagoyamba, il faut avoir du caractère. D'accord? Parce qu'il y a un azala au-dessus du journaliste. Alors, Yosoki, au Sepili, au Zala, en dessous, là, eh bien, a gagné. Yo. Voilà pourquoi je félicite Jonathan. Très professionnel, très intelligent. Il allait jusqu'à son terme. Vraiment, il a tenu l'émission jusqu'à son terme. Vraiment, bravo. Nazomo nananga et Sika o nako condamné Jonathan te namoni nanga te. Namoni nanga te. Namoni nanga te, sincèrement. C'était à Kofi Olomide de se conformer na eloko yo émission Senga. Et de sur quoi ba futi yo mongo s'il vous plaît. On l'a payé. On l'a payé. Nandimité na Côte d'Ivoire ba futare, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, mais Nandimité ba futare. Mais à respecter Abango. Bota la Nenge, la TV5, la journaliste, la congolaise, la Nenge, a massacré Kofi Olomide dans ma question. Dans ma reportage à Tchabilo Romoro Kofi Olomide. Donc, est-ce qu'il s'est comporté Nenge à ses comportements à Kid? Point Ebi. Et on ne blague pas avec la presse. Hein. Vous voyez que la presse est dans le 4e pouvoir. Presse, ou solo. Hein. Est dans le 4e pouvoir. Et Kofi Olomide, là où il est, il le sait. Kofi Olomide face à un journaliste, il n'est rien. Bon, moi, on a un journaliste dans la France, Bassaranana Bangote. Moi, j'ai suivi Gérard Darmanin avec Apolline de Malherbe. Gérard Darmanin, il a voulu que ça ne soit madame, vous calmez. Mais Apolline de Malherbe, on a Zongi Sainanzela. Ministre de l'Intérieur. Hein. Mais journaliste, Zongi Sainanzela, na Platon, na. Aloba, mais Olobinini, qu'est-ce que tu veux dire? Journaliste, hein? En face, il y a un ministre de l'Intérieur. Donc, pour Nakolobanabino, Basaranarana, journaliste. C'est Kofi Olomide qui malmène les journalistes. On a Ibani. Et c'est récurrent. C'est récurrent. Donc, il faut regarder Oloba. Et j'ai suivi Djomoro Boya, le gars qui n'est pas à Thierry Mombaya. Non, mais Kofi Olomide, c'est pas n'importe qui alors. Et alors, c'est pas parce qu'il est Kofi Olomide que non, Azan a monopole, tout est la vérité. C'est pas parce qu'il est Kofi Olomide qu'il a le droit, il y a qu'on minimiser, bah, tout. Il y a qu'on respecter Moussa là, bah, tout est. Je suis désolé. Seul artiste, paie ça embargo, n'a pas journaliste, n'a qu'il c'est Kofi Olomide. N'a pas comme Marc Tabou. S'il vous plaît, l'information, l'orchestre, le roi quartier latin, côté on est à l'écart pour le moment. Jusqu'à ce que l'homme va se repentir réellement. A Sengiba, pardon, Nenga Sengara, on attend, ya Pacheli Moudem, pardon, pardon, ya Litio, aux Osenga, le Bobetis sous Alimia, au Sengi, le Bobetis sous Té, on en est tout bouilli. Tolingi, journaliste, Azon, en est Sigana Zalaki. Cher confrère qui est à Kinshasa, tu es bien que n'a pas si tu boite, tu vivras ailleurs, Moussous, na moi, bah. De 15 n'est au Benga Rango, moi bah tout ça bien on a canal qui nini. Moi bah Douaga Nenge Zalarakeno sale mission à Souka, misère en pente, libéré en moi combien pour autant moi pour lui donner les canaux TV. Mais s'il vous plaît, Borges Zébé, les Arabes profitent de toi au sala pour yo survivre.
toi, orchestre, mais les plus confiants, on peut à vrai dire tant tout ça, mais les mitoires foutent à la visibilité. Et comment. Mais au lieu de dire, journaliste, il y a qui vous soutenir des gonabino, mais non. Vous vous traitez de gonfler. Vous vous traitez ceux qui d'excès de zèle. Mais non. Nga, sincèrement, dans ce moment, nga, et là, comme on a reproché, et pas, Jonathan Bilarité. J'ai analysé, bah, émission, bah, ça là, na, oyo, bah, sali. La question était simple, action ou vérité? Action ou vérité? Pona entre action et la vérité. Yo, lobby, les deux. Et c'est normal que le gars, il insiste. Parce que tu ne respectes pas déroulement et émission naé. Ozo respecter rubrique naé été. C'est normal. Et Ozo le banaye en direct, non, c'est la dernière fois au poser une question. Moi, n'en aura pas quoi. Vous voyez, l'engazo qui s'amoutou. Et vous, certains pseudo-fans, certains fans, bah, réfléchissent à raté. Besoin de défendre Kofi. Voilà. Ozo le banaye, non, c'est la dernière fois que tu me poses cette question. Bah, foutu. Oye. Par contre, il va poudre, il va lunettes, tout. Il y a une émission. Pour nous contredire, nous avons un moussa. C'est triste. C'est vraiment triste. Hein? Pourquoi il y a Kofi Olomide ? Il y a un journaliste. Pourquoi il y a Kofi Olomide ? Je n'ai jamais entendu un moussa. Il y a un comportement de un journaliste. Hein? C'est que Kofi Olomide. Dernièrement, même, il y a une conférence à Sala qui est à Bruxelles. Là. Vous voyez comment il a diminué le journaliste là, beau comme un dieu là. Comment il s'appelle? Adil Ondolé. Bota la émission là. Na yoram mawa. Alors que Bazarasso qui m'a ami. Bazarasso qui petit nae. Bota la nega kitsagye. Na émission OP à la conférence Mogo Boye na Bruxelles. Avec le journaliste politicien là. Fabien Soginani. Je me rappelle plus. Bota la nenge. Il s'était énervé. Mais, et voilà pourquoi je vous ai dit que quand tu es en face de Kofi Olomide, il faut avoir du caractère, il faut zapper Maïel pour nous contrôler. Le journaliste à Kangabi Saka à Téléma. À Kangabi Saka à Téléma parce qu'il n'avait pas supporté ça. Voilà. À la Gisegepe, non, mais moi, voilà, ma dignité paie avant tout. Quoi. À Tambola, c'est ce qu'il fallait faire. Voilà. À Tambola, à Tasogé Zanga, Naroni Mangote. Voilà pourquoi je dis bravo. Je dis bravo à Jonathan Bilari parce qu'il a été professionnel. À quelle émission tu n'as pas Batumoussous, Boka, ta émission. Batumoussous, Boka, ta émission. Boko, ma tienne à souk. Mais vraiment, bravo et courage à M. Jonathan Bilari. À ta souk, journaliste, bazo soutenir ET, c'est parce que c'est des hypocrites. Souvent, derrière ma musique, ça va pas. Mais comme toi, tu ne vas pas chez eux. Comme yo, aux armes, on a bangoté. C'est normal. Aux armes, la décision, vous voyez. Aux légitime. Voilà. Vous voyez, banal, si ma confiance, le milieu d'été, il était moutoué, il est banni, ça y est, et pour t'affirmer, t'as pas besoin de lui, et ben voilà. Sage décision. C'est comme ça. Bah, ça, ma cam. Et c'est un mec qui porte ses couilles. Hein? Excusez-moi pour le terme. Mon belle fois, Zara, vous voyez. Là, bah, Francis Kakonde. Regardez, Francis Kakonde, un journaliste très intelligent. Pourquoi Zara peine à caractère? Bon, mon anengé a zongi sa Kofi Olomide dans une certaine émission. Alors, ce n'est pas toi de me dicter ce que je dois dire. Je suis un bon on a besoin d'informer. Félicitations. Il y a beaucoup de vite fait. Il faut que je le montante. Félicitations, mais ce n'est pas toi de me donner l'ordre, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce n'est pas le sujet du jour. Félicitations parce qu'il a fait deux fois. Voilà. Non, Makama Boye, il y a beaucoup à l'oba, l'inexplicable ne se justifie pas. Kofi Olomide, il y a beaucoup à l'oba. Donc, à un moment donné, ceux qui ont besoin de l'oba, pour nous défendre, nous tous. Bo kanga manga na bino. Bo zala tranquille. Restez dans vos retranchements. Plutôt que de venir raconter des bêtises. Makambo, ils ont noir sur blanc que Kofi Olomide a tort. Mais besoin de défendre les gars. Non, arrêtez. Il y a un gros comme to. Yaga sans langue de bois, je n'ai pas de haine contre Kofi Olomide, non, du tout. C'est le seul artiste où on a yoga. Ming, c'est lui, voilà. Mais, bah, comportement, là, ça laisse à désirer, voilà. Par exemple, les a ébélés. Pourquoi Asala Rango à l'étranger, t'es Kaga Namboka? Pourquoi Kaga Yepé?
Oui, Rasson, dans cette émission-là, à Sala Silicoté. Oui, Rasson, le Yangem, non? Le roi de la forêt, non? A Bétapé, à Bercy, non? Oui, Rasson, il est en train de sauter avec la corde à sauter, là. Il a fait. Bah, tout n'est action vérité. Bah, Blaise Boula, bah, Sala Soki, bah, ils se sont conformés. Bah, Nani, bah, comment il s'appelle? JDT, bah, Sala Soki, bah, pompe. Hein? Ils ont accepté de se faire gifler. Parce que c'est la rubrique. Et ça, pendant qu'on quitte ça, moutouté. Émission, bah, préparango, voilà, pour ne pas faire du pareil au même, voilà, Neng Batmoussou, bah, Salaka, il faut apporter à une émission une certaine touche. Pour ça, la nette, bah, monotonité. Donc, toi, l'invité, ça te dérange, je ne viens pas. Et puis, quand tu viens, bah, conforme-toi à l'émission, quoi, à la rubrique. C'est simple. C'est simple. Mais Bino, voilà. Comme Azam ou pas, donc on lui donne tous les droits, non. Et de surcroît, Azam, ambassadeur de la culture, de la culture. Mawa. Seul musicien de la Congo, Aïe Bara Place, n'a été, c'est lui. Il est plus grand que tous les autres au bazar en ce moment en vie. Hein? Tout respect, Nabaya Jossar, mais Koffi Olomide, c'est Koffi Olomide, quoi. Mais c'est le seul artiste où Aïe Bara Valeur n'a été. C'est le seul artiste où Aïe Bara Valeur n'a été. Bah, chronique fois, tu vois, on se tout, bah, yambaye. Toi, bah, tondaye, micro. Mais où est le respect? Et j'ai comme l'impression, plus à ça, la belle émission, on a plus il est dans la bêtise. Est-ce que vraiment Koffi Olomide Azara a besoin de la belle émission, on a entre vous et moi? Est-ce qu'il a besoin de la belle plateau na bango? Ce qui a l'église, il a plateau na bango, il a l'église, il est déjà Koffi. Mais regardez, bah, comportement, il y a Batonet, bah, JB. Koffi est plus grand que JB. Mais bon, on a JB à ça va interview Pamba. Pamba là. Hein? Fali, pareil. Est-ce que vous voyez ces gens-là, Bapé ça va interview Pamba là. Donc, toujours au cœur de la polémique. Mais c'est encore vous qui venez vous victimiser. Donc, vous êtes à l'auteur de vos propres. Vos propres polémiques, mais Batoyo, Bayara ko lela, Togo s'est victimisé et Zapé Gabino. Non, Botika, Neye Moura Loba, élastique et scié, beau changer pour un père Seko. Donc le disque il est rayé, beau changer moi tactique, quoi. Parce que ça devient trop. Yangonga na bonne anga Loba, Makama Boué. Mon émission, je paye pour ça la même. Voilà. Et le gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais je dis la vérité. Je suis allé à l'analyse, je suis allé à. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas que vous ayez la hypocrite dans la vie. Quand on reçoit quelqu'un chez soi, Moutouana a respecté. Mais il n'y a pas de problème. Ce n'est pas que vous ayez tant que vous ayez l'Ibanda, vous ayez dicté la loi. Non, ils ont raté. Ils ont raté. Donc, Koffi Olomide, quand tu arrives dans des émissions, il y a des journalistes, respectez Bango. Respectez Bango. Et c'est dommage. Naïbide, pour Nani, les Alaka, Kaye. Pour Nani, les Alaka, Kaye. Donc, à un moment donné, c'est comme j'ai dit au début, tant que Bazo, tant qu'il a mis sa qualité, n'a pas défaut, Naye. Nombreux sont ceux qui disent qu'il est intelligent, nombreux sont ceux qui disent qu'il est cultivé. Oui, je n'en dis qu'on vient pas. Mais à un moment donné, ma qualité, wana, tu remets moi en question. C'est comme un youtubeur, on a tel à rapper, vraiment je le salue de là où il est, il est le seul monde où on a autant dans l'émission, Albert Premier, vraiment coup de chapeau. Dans son raisonnement, il dit que Bissot va Congolais, Tozarama il était. Thomas, l'ambition des arénettes, il y a un défi. Vraiment, je suis d'accord avec lui. Attends, je suis d'accord avec lui, puisque je suis congolais. Congolais, à cause de la. Maël et Natongo, n'a pas encore combiné Zoba. Par quel mécanisme tu as évité? Voilà. Albert Ier nous disait que non, l'intelligence nous visite. Et c'est vrai. Bon, comment on a une émission, vieux, la bus à Salaga.
une très belle émission, une très très belle émission, vraiment il s'est bien exprimé tout. Mais le but au moment il a filmé ou il a filmé où? Ah on noie les, hein? On noie les. Ah oui on noie les. Mon père mon grand bonsoir. Ah on noie les. On noie les président. Allez. Président on noie les président. Ah ti. Ça va. Les autres pour répéter tout. Voilà. Bon moment différence. C'est lui. Donc côté bien. Azali, côté ma BP Azali. Mais à la lui rouvant les choses, ma B voilà ta et en fait ma B est au coma plus que ma Lamounaï. Parce qu'il est toujours là dans les médias, voilà, même quand il faut pas être là, il est là. Et on a zolba, l'empire de l'ignorance. L'empire de l'ignorance au bazar retourne beau conseiller. L'empire de l'ignorance, pas empire du mal, empire de l'ignorance. Les abateaux bazarga. Au côté à Koffi Olomide. Émission pour partager en haut. Pour liker, pour Ekenda. Pour. Tous les amis, de le maramaga maboué. C'est pas un manque de respect, mais Eza, vérité, on a zolba. Eza, vérité. Bah, oh, bah, oh, oh, bolingi, boya na ba, argument, oh, boya, na désactive, araba, commentaire, t'es. Na tira rabato, ba, commenter, na n'y a pas lingi. Et même les malpolis, les fans, y a quadra. Tout ce qui est parole. Nasala ba émission à téléphone ouvert à AP. Bon, mon attégnon na katé na bangon na filtre à appel. Non, je réponds à tout le monde. Voilà. Je suis un fan de Koffi Olomide. Je vous le redis ici là. Pour d'ailleurs, mingi musique naï. Mais, ce qui est comme moi, Bézali, y a Roloba, il faut Roloba. Voilà pourquoi je suis là. Et je ne voulais pas être là. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé. Donc pour le respect, il y a bah, téléspectateurs, pour le respect de ses abonnés que je resalue, il y a un aéro là-bas. Voilà. N'aéro fingaté, n'a fingité. Mais j'ai dit la vérité. Donc à un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut que talaka, makamu ou tosalaka. Nombreux soient batouna, mais on ne vient pas. Mais Ozana. On a un problème dans Moutoyo. On a un problème dans Moutoyo. Mais est-ce que tu peux revoir ton comportement tout de suite? Mais non. Toujours dans la défense. Absolue. Hein? Non, ceux qui Moutoyo Linga ont été au Linga Salini. Ils ont été au Linga Bière et ils ont un maï. Voilà. Donc, Yango Magamoussousou, je préfère m'arrêter à sa musique, que j'adore. Sa musique, en tout cas. Que j'adore. Nazo Zela, vraiment, Nazo Zela, album légende d'un mort au Saranate. Et Zana et Logo, Nazo Zela, n'a un logo la légende, en fait. J'attends ça, vraiment, pour n'aïe qu'on s'est retrouvé dans la. Mais quand il s'agit, il y a du côté humain de l'artiste, on a, voilà, tu commences à te poser la question, est-ce que Fonatala, est-ce que, voilà. Donc, c'est dommage, c'est l'artiste. Et puis, voilà quoi. Il a déjà fait carrière Moulaï Namakambo Yokaka. Donc, c'est pas aujourd'hui que nous allons le changer parce qu'il est plus vers la fin que vers le début. Voilà. Donc, voilà. Et encore, et de surcroît, il est ambassadeur de la culture congolaise avec un passeport diplomatique. Bon, t'as la valeur, mon épaissier. Mais, par ricochet, ami pe sa valeur na yo wanate. C'est dommage. Bota la makambo presse bakali na nani na killer kilis. Est-ce que vous croyez que na ba journaliste au mieux sur tout oyebi na na Congo na la potoa Koffi Olomide a ko pona killer kilis c'est un prince bakali ma wa ro lobani niao. Regardez la mission na musée à Terre Vuren na mindele un prince bakali va dire quoi? Peut-être même killer qu'il est, mais même, il va dire quoi? Hein? Il va dire quoi? Voilà. Et Bakimi. Et non seulement Bakimi, mais Koffi Olomide, Azo comprend de Bangon Nanini Bakimi. Azo Baga Bangon a émission, voilà donc. On ne peut même plus reprocher à killer qu'il est, et puis à. Prince Bakali, Nanenge Bakimi, parce que lui-même, Koffi Olomide, a Mimi Bango, Azo comprend de Bango. Alors, il y a une mission, l'État est Tindi Bango.
Donc yo bakimio to bakimi e Congo. Mais voilà, qu'on fait le midi tranquille. Il se dit que non, il n'y a pas de souci, Voilà, peut-être gouvernement Moutou est redérangé. Bah oui, normal, il faut être dérangé, bango. Alors, ceux qui sont dérangés, binoté, hein, l'empire de l'ignorance. Besoin que c'est la bango, bah, passeport à la bango. Besoin que c'est la bango, bah, passeport à la bango, mais pourquoi vous les détenez Tobi ba musée belé ba kima vieux quadra oui mais na époque wana izaka mboka muto chini bangote il venait avec Koffi Olomide donc yé muto azayo mission naye mais là en l'occurrence eza mboka muto chini bang donc eza mission d'état avec un ambassadeur ba mususu ba zongi ba mususu ba tikali mais ba o ba tikali muto yo Azaki locomotive il y a délégation là azo comprendre bango ah non mais au lingina lo banini tout azo baka bango pe non là me donner un problème voilà donc ça ne sert à rien beau reprocher Bakali nakile na ningeba bachikali parce que Koffi Olomide azo les autres dérangés na été voilà donc ça ne sert à rien voilà chers amis. Donc, na émission yo, bah balingi ba les ça va publicité na bangwa wa, bah oh yo balingi ba zala ba partenaire y a émission, voilà bosolo la, na solo la ralanga, moki les salama pe na liloba, donc boya bosolo la, tosolo na biso, voilà. Je ne suis pas vraiment actif, mais je fais au mieux, donc na salaga, en sorte que na zala toujours digne de votre confiance, na zala toujours Nabino, yangon aye lelo. Na yebuke émission EP aux ala chaud. Ceux qui ont un EP chaud, tant mieux. Mais je suis là. Je pense avoir tout survolé. Moi, je suis plus du côté à Jonathan que du côté de Koffi Olomide. Nous allons soutenir Jonathan Bilare. Voilà, parce que je ne vois rien à lui reprocher. Voilà. Bah journaliste mususu ou bazara na ba étiquette ba polémique toi bango ba pas bimoma ba na tu le coller toujours à poser des questions voilà pour en susciter polémique mais Jonathan Bilare moi je vois pas ce que je dois lui reprocher naibi na ba étiquette voilà c'est le moins qu'on puisse dire et non seulement ayebani na na mokilité c'est parce que justement il est professionnel, il est tellement propre, si vous permettez, que Aébanité, bateau baie banagaiza plus bateau bazaraka n'a pas polémique, voilà. Pour mokiliza bongo. Donc force et courage à Jonathan Bilare. Force et courage à Jonathan Bilare. Et vraiment, j'espère qu'il tombera sur cette émission. Moi, je le soutiens, voilà, parce que à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui yoba yambio donc il faut respecter Moutou yambio ceux qui vraiment journalistes sont eux mal à l'aise ah d'accord on a encore qu'on se défendre mais ceux qui ça nango normal lui c'est l'autre qui est bien je vois pas l'intérêt quoi vieux quadra il n'ira pas contredire il était toujours azala au dessus ceux qui azosala neti ba faute il n'ira pas te corriger et encore dans une émission la dernière émission à Salina Fonk Stemai il a fait une faute là. Nabosani Moana. Oloba un ou une ou te le ou là, il n'a pas mis le bon article. Voilà, ça ne sert à rien na changwa po et vous manet chi acharnement to haine. Non, voilà. Donc narobo mango po to matato kita eza artiste musicien on a lingaka. Mais le côté humain, ça c'est autre chose. Et ça m'étonnerait na mona ONG organisation non gouvernementale ou est sérieuse et pour Koffi Olomide pour représenter Bilo Konabango voilà toi association Moko Boye et pour Koffi Olomide pour n'avoir droit il y a bana il y a la femme vraiment tout ce qui est associatif tout ce qui est vraiment ko bundé la batu. Ça m'étonnerait pas parce que du point de vue humain, du point de vue bonne mœurs, vraiment azate, azalibanda. Et bateau baza
réfléchi bato baza normal na mutuna bango baibi que na zolo makamba vrai. Voilà. Voilà. Donc merci chers amis de m'avoir suivi, merci d'avoir disposé de votre temps. C'est comme je vous l'ai dit, hein, ils ont haine mon côté envers Koffi Olomide, je n'ai dit que la vérité. Et nombreux sont ceux qui m'ont défié. Ah, tout ça, ils sont qui sans Koffi Olomide, chaîne n'a eu gozala. Ça fait pratiquement 3 mois dans l'obération de Koffi Olomide, mes chaînes, ils ont. Hein? Voilà. L'empire de l'ignorance, Balinga qui coûte bloquer chaîne, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi n'a eu la vérité? Pour bloquer, YouTube est allé, Google est allé. Il n'y a pas de souci. Mais mon nom est beaucoup quand on a été. Voilà. Donc, merci, chers amis. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous abonnez, vous partagez l'émission surtout. Je salue tout le monde, tous les abonnés, il y a chez Shaggy Sam. Donc, je vous retrouverai très prochainement avec le même plaisir. Bye.